Alors, hop, on va pouvoir partir à la tour, c'est ça, exactement la tour. Nouvelle quête de la semaine, regardez-moi ça, encore parvenir à ses fins. C'est parti, on va d'abord aller voir dans la cour pour voir parce que quel bordel j'ai eu, parce que depuis j'ai un peu taffé, vous savez, j'ai taffé les trucs. Notamment les putains de... les putains d'yeux de Savatoun, il n'y en a pas 4 ou 5. C'est un peu problématique, messieurs, dames. On est sur quelque chose d'un petit peu plus un petit peu plus gros. Regardez, hein. 50! Voilà! Il y en a 50! Alors, avec un peu de chance, le reste va être débloqué pendant la semaine. Avec, du coup, des planètes qui vont, au fur et à mesure. D'ailleurs, on en est où au plein niveau des planètes? Est-ce que ça a été changé? On peut pas regarder? Pas de chance. Ah, si. Ok, il n'y a aucune autre planète. Aucune nouvelle planète, donc il y a juste Io, Mercure, Mars et Titan, ok. Bon, j'espère qu'il y a des yeux de Savatoun qui vont apparaître sur Nessos, la Lune, Cité des Rêves, en tout cas juste Nessos en fait, ce serait déjà pas mal. Nessos et la ZME. Au fur et à mesure que l'event continue. Tac. Alors, hop, bah voilà, un engramme parfait, bien sûr, mais comment est-ce que je pourrais vivre sans ça, putain. J'ai enfin eu ce fusil mitrailleur en décryptant des engrammes d'Umbra. C'est pas mal. C'est de la merde. Hein. C'est de la merde. Au moins, c'est mieux que ce qu'on a. Ouais, voilà, parfait. Hop. C'est parfait. Ça aussi, on peut enlever. Parfait. Ça, on n'enlève jamais. Et ok, à la limite. Très bien. Bon, bah, on a gagné quelques petits trucs, machin. Ne me parlez pas des ténèbres. Ok, je ne vous parlerai pas des ténèbres. Pas savoir. Tac, tac, tac. J'aimerais bien tester cette arme là qu'on appelle Garance que j'ai eu complètement au pif sur un assaut légendaire que j'ai même pas une variante épique d'un assaut que j'ai même pas fini en plus. Allez, on va prendre le fusil à pompe into Garance, c'est parfait. Il n'y a pas de catalyseur Garance, si. Ok, très bien. Regardez-moi cette arme incroyable, hein, vraiment, avec une mini baïonnette sur la gueule. Est-ce que au moins ça augmente, d'ailleurs je vais pas regarder les stats. Les circonstances peuvent changer, mais pas jamais. Plus longue distance. Non, les points de vie. Ah, ça c'est cool ça. Ça par contre, c'est très très fort. Arme de précision remplie d'autres chargeurs. Ok. Et elle tient une rafale de 3 munitions. Ok, très bien. Je voulais le savoir. Putain, stabilité. What? Impact. What? Ok, pas mal, pas mal. J'ai pas de. Ouais, non. Pas de chance. Juste regarder s'il n'y a pas des trucs à la boutique. Là, il y a des nouveaux trucs. Oi, 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 oi. Ah, celle-là, elle est belle. Hein. Bon, j'ai déjà une variante intéressante de l'as de pique. Mais on verra si j'ai vraiment rien d'autre. Donc, d'Adonis. Ok, stylé. Stylé, stylé. Le biolume. Le biolume, je sais pas si j'ai pas déjà. Oh putain de merde. Putain de merde. What the fuck. C'est stylé ça. Putain, mais. Je sais pas si vous voyez vous avez du stéréo vous, mais ah mon oreille droite quoi. Ça c'est intéressant. Les circonstances peuvent changer, mais pas les données. Oh le salut des screamers, oi oi oi. Ça c'est si, bon. Ça c'est ok, très bien. Je vois. Et la chaîne micro. Oh le rouge. Ouais, si. C'est ça. En dehors de ça, ouais, celui-là est dégueulasse. Et par contre, on a pas mal de matériaux. Ok. 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 Bon. Les circonstances peuvent changer, mais pas. On est y part. On va aller voir El Vagabond. D'ailleurs, je vais vous épargner le voyage parce que, ouais, on a déjà pris trop de temps, quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Je sais que j'ai déjà dit dans la semaine, enfin dans la semaine, dans les autres vidéos, mais je vais le redire ici, c'est incroyable que... Moi je trouve que ça absolument bien d'avoir un rendez-vous hebdomadaire avec le jeu où la quête va devenir plus ou moins devenir de meilleure et, au fur et à mesure. Voilà, qu'on n'ait pas tout le contenu dès le début, que tout le monde le ponce pendant 20 minutes et puis après c'est terminé. Non, c'est mort. Je trouve que c'est très très intéressant. Alors par contre j'ai pas regardé là. Bon, vous mettrez pause. Pour ce qui est de la barrière, du coup. Contenez la progression des ténèbres en participant à l'événement public sur IO et Titan. Ok, très bien. Parfait. Ce
sont des antiquités. On n'aurait pas accepté de nous aider sans une autre raison, nous devrions le surveiller lui et sa machine, bien sûr, toujours. Je viens vous dire que. Mes flingues sont plus vieux que mes. Je pense que c'est très très facile. De... Ah mais non, attendez, ah attendez. Est-ce que c'est plus pour Mars aussi? Non, très bien, je voulais être sûr. Ça c'est intéressant, mais c'est pas. Ouais. Je pensais qu'il y avait ouais, aussi le contact sur Mars, mais j'ai mal lu. Ok. Bah l'attaque, hein, c'est parti. Bon, ça a changé. Maintenant c'est sur la plateforme d'ailleurs, tiens. Ils ont changé d'endroit pour le contact. Intéressant. Intéressant. À moins que ce soit normal, mais bon. Je pense pas avoir fait contact sur cette partie-là de la map. Donc c'est un peu une nouveauté, quoi. On pourrait dire qu'on aura toujours rien fait de mieux. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais regarder quels sont les exotiques qui me manquent. Alors en termes de. En termes d'exotiques, voilà, bon, il y en a un qui est inconnu, bon. On fout. Le reste. Le reste en termes d'exotique, je crois que c'est quête, engramme, quête, 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 et on sait pas. Ouais, c'est ça. Là, on a quête et raid. Et quête. Ouais, c'est ça. Et là, on a quête, raid. Donc, pas raid, mais événement, raid et quête. Très bien. Donc, pour l'instant, alors ça, c'est quoi ça? Ok. On a, il nous manque une arme qu'on n'a pas encore eue dans les colis de, exotiques, les engrammes exotiques. Et après, il faudra terminer des quêtes. Et si je ne les ai pas encore terminées, c'est que il faut que je fasse le putain de gambit. Et ça, ça me pète les couilles. Bon. Alors, where is contact? Là, voilà. Ils ont réuni contact. Non, ça c'est une patrouille. Where the fuck is contact? Mais il pas que quand je suis arrivé, il s'est... Ah non, ok, c'est là-bas. Très bien, j'arrive. Oh là, quel style. Ah, c'est pas le truc le plus recherché de la planète. Mais les petites pyramides comme ça, moi, je trouve que ça fait écho aux voyageurs de manière assez stylée. Alors, c'est parti. C'est parti. On va tirer. Voilà, voilà. Ah oui, c'est les déchus. Ouais, ça fait mal. Bon, après, c'est. Les collectionneurs, quoi. On va pas non plus. Même pas épique, même pas puissant. Mais. Ça quand même. Ça transmet la puissance, quand même. Hein. Oh là là. Particule au maximum, c'est le moment de. Allez. Ok. Enfin, du coup, on sait pas ultra ultra pratique, mais c'est pour aller plus vite, monsieur dame. I swear. Hop, parfait. Attendez deux secondes, je vérifie un truc. Ok. Merci. Pourquoi je vais dessus déjà? Il me semble... Ils font un peu. Ah, ils font mal. Ils font mal. Oh putain. Ah oui, mais ils utilisent de la puissance. Allez, on y va. Hop, 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 hop. C'est ça? Ok, d'accord. Larbin des corrompus, sa mère. Oh putain. C'est pas ce que je voulais faire. Ah mais il me tire dessus, il bâtard. Au secours. Hop. Petit soin, tranquille. On est là pour chill, monsieur. Oh écoutez, monsieur, vous me pétez les couilles. Hop. Petite munition lourde. Et cette arme-là, elle est pas là pour rigoler, hein, vous allez voir. Ah tiens, toi, viens là. La stabilité. Ah mais qu'est-ce que tu fais là, t'as ça? Bon, c'était pas un événement, mais. C'est pour la thune, c'est pour les ressources. Peut-être pas l'utiliser comme ça, mais j'ai trop de munitions.
Tenez. Hop. Je prends, je prends, je prends, je prends. Merde. Il était là avant. Je respecte. Where the fuck is. Voilà. Wesh, tu me fais tes couilles. Merci. Bon, je prends quoi là? Ok. Hop. Non, j'étais pas sûr, j'avais une grenade, j'avais pas regardé. Hop. Allez, viens là. Voilà. Ah merde, du coup j'ai glissé, j'ai pas rechargé du coup. Eh oui, on est pas sur BO3. Allez, viens là. Putain, ils sont deux là. Voilà. Putain, mais wesh. Voilà, parfait. On les aide. Parfait. Il faut aller la voir. Il faut aller voir là-bas. Oh, oh, oh. Ah, mais lui, il s'était caché. Il s'est caché. Oh, le petit bâtard. Oh, mais je suis peut-être mort là, d'ailleurs. Non. Je déconne. Imagine quand même. Ah, il est bien. Merci. Oh, le buffer incroyable. Si je maintiens E avant, ça compte quand même comme s'il était enfoncé. On n'y a pas vu. Ta gueule, toi. Ta gueule. Touche pas, mon pote. Aïe, aïe, aïe. Ah, lui, c'est le roi, là. Oh là là. Ah, lui, on sent qu'il est de la noblesse. Hop, la crinière, là. Petite crinière de 8-14. Eh ben dis donc. Ah, je me suis fait écraser. Allez. Ah, je trouve ça intéressant quand même ce design. De, oh putain, mais j'ai pas de. Ah! Je trouve ça intéressant ce design quand même au niveau des corrompus d'avoir rajouté des touches circulaires. Même au niveau des. En fait, des ennemis puissants comme ça qu'on a dans les. Dans les... Allez, 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 dans le contact. Il n'a pas vu. Il a peur, hein. Je montre ma domination sur lui. Plus efficace une petite pause. Lol. Hop. Parfait. Hop là. Oh là là, mais j'optimise mon temps. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Saute pas, mon bro, hein. Par contre, c'est moi où j'ai fait 0 dégâts. Ah, mais il se régène. Oh, mais c'est pas du jeu. Oh, tu te régénères pas, toi, ça va. Ouais, les armes puissantes, c'est mort, hein. C'est mort, hein. Oh fuck. Et moi, en fait, j'avais oublié qu'il y avait lui là. Hop, parfait. Oh, c'est toi. Viens là, viens là, viens là, viens là. Viens là d'ici en reculant d'ailleurs. Oh bah putain, bonjour. Putain, le cri bloque quoi. Mais bordel. Laissez-moi tranquille. Ah. J'attendais pas celle-là. Tu peux arrêter ça. Retournons à la source. Attendez, mais. Hop, pas mal de particules. Hop, voilà. Jamais trop, jamais pas assez. Comme ça, on est sûr qu'on va en ramasser tout le temps. Allez. Parfait. Hop. Bon. Oh. Oh fuck, c'est pas par là. Oh non, c'est bon. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Là, j'étais un peu trop près. Absolument tout. Alors. Si tu TP, je te déteste. Merci. Ah mais lui c'est un bug. Attendez, je peux m'asseoir dessus. Je peux même pas me mettre dessus là. Il prend les hits mais par contre on peut pas se mettre dessus. C'est vraiment... Bravo quoi. Putain, on est d'accord que je l'ai eu. Bon, y a un peu de lag, vous connaissez. En gros, tu veux pas que je te réanime first.
Alors venez, 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 pas toi. Toi oui. Toi viens là. Voilà. On esquive, on esquive. Ah mais il y a lui là. Petit bâtard. J'ai toujours pas de. J'ai toujours pas de. Voilà. Ah, de régène. De faille. De faille curative. J'ai pas encore testé exactement quelle serait la réception de ce genre de vidéo d'ailleurs sur Destiny qui sont, qui ont pas forcément de continuité. Ils en ont une si on veut, mais tu peux quand même balancer, venir tranquillement. Ah, il est terminé déjà. Ah, bien joué. On a combien de ténèbres? Ah merde, j'ai pas suivi la quête. Très bien. En gros, elle a dit bon. Globalement. Hop. Après, il faudrait que j'arrive à parler d'autres trucs en même temps de jouer. Hein. Forcément, il faut que j'arrive à le faire. C'est je pense, la bonne idée. Je vais baisser un petit peu le son. Back. Même si normalement, ça devrait aller. Ouais, ça devrait aller. Parce que le but, c'est franchement d'essayer de trouver des sujets de discussion. Bien sûr. C'est quand qui corre. C'était signé un Xbox One. Parce que honnêtement, je pense que ça peut être un truc intéressant d'avoir un format où je parle tranquillement en même temps que je joue. Mais là, la question c'est est-ce que tu peux te mettre. Putain, mais il y aura toujours cette. Parce qu'on est d'accord que. Ah non, c'est vraiment. Collision pour les balles, mais pas pour les joueurs. Intéressant. Il y a moyen que je te. Oh, parfait. Parfait, parfait. Alors, ils sont où? Voilà. Hop. Finalement, Destiny 2, c'est pas un jeu auquel on entend. Enfin, qui fait vraiment l'actualité. Hein. On n'entend pas forcément tout parler tout le temps. Il a eu quelques prix au Game Awards. Merde. Ah! Menteur! Petite lumière. Voilà. Ah, mais il est mort, ché! Ça va, mon bro? J'avoue qu'à partir un gros coup de bazooka sur toi, je sais pas comment t'es mort, mais. Hop. Parfait. Il me semble que Destiny a eu quelques prix au Game Awards de l'année dernière. Pour la communauté, un truc comme ça, ou le suivi de jeu, ou un truc comme ça. Vraiment, concernant du coup son ajout de contenu assez perpétuel finalement. Et c'est vrai que honnêtement, c'est pas le genre de jeu qui est censé avoir un aussi gros suivi, mais en même temps, je me doute bien que c'est un projet qui est censé durer 10 ans, hein, c'est ce qu'ils avaient dit. Destiny, c'est un projet qui est censé durer 10 ans. C'est pour ça qu'ils ont un gros suivi et qu'ils n'ont pas forcément envie de faire Destiny 3 tout de suite. Sur qui ils semblent avoir envie de capitaliser sur ce jeu. Puisque bah, y a une fanbase déjà sur Battle.net, sur Steam, sur Xbox, sur PS4. Donc ceux qui sont venus sur Steam, ils sont venus quand c'était gratuit. D'autres qui sont là depuis le début. Et ouais. Après certes, je trouve que c'est intéressant quand même d'avoir des nouvelles quêtes. De l'histoire qui continue. À chaque fois des cinématiques, mais il y a pas mal de taf qui a été fait hein, maintenant sur ce jeu, et je trouve ça très admirable. Et forcément, le problème c'est que bah, les gens peuvent être rebutés par le modèle économique du jeu, parce que bah voilà, on est sur un jeu de type. Attendez deux secondes, monsieur. On est dans un jeu qui est déjà payant à la base, hein, pour ceux qui l'ont acheté Day One, hein, c'est-à-dire que c'était quand même un jeu qui... Oh, mais je peux quand même te taper toi en fait, j'ai pas besoin de taper de chill. Qui me tape dessus, bordel? Oh, horrible. Hop. Ah mais bordel, mais il y a tout le monde ici, bordel, c'est... Oh là là, pas avoir un coin tranquille. Non mais après, en même temps, moi j'arrive... Ah, bizarrement, maintenant c'est vous qui vous cassez. Hop.
Donc c'est un jeu qui forcément était payant au début, day one, pour les jeux qui l'ont acheté à sa sortie. Il y avait quand même une campagne, bien sûr, qui existait, qui existe toujours d'ailleurs. Et qui a eu ensuite pas mal d'extensions au fur et à mesure du temps, quoi. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent se trouver un peu bizarre, enfin un peu révoltés du fait que... Ah mais putain, mais c'est pas des potes ça. Je suis en mode qu'est-ce qu'ils foutent, mais... Mes mates, mais c'est pas mes mates en fait. Ouh là là, t'en beaucoup dis donc. Les gens peuvent se sentir un petit peu trahis du fait d'avoir payé 60 balles pour un jeu qui s'est retrouvé gratuit complètement à partir de... C'est quoi, c'est septembre de l'année dernière sur Steam, forcément. Après je trouve que ça peut être un bon move pour pouvoir permettre d'augmenter encore la fanbase. Mais c'est vrai que avoir un pass saisonnier en plus de des extensions, c'est vrai que ça peut être quelque chose qui fait un peu dire en mode bon bah voilà les gars vous êtes sympas mais on n'est pas vos vaches à lait non plus, tu vois. Et personnellement je suis dans un cas avec Destiny où j'adore ce jeu. J'ai depuis le jour 1 de Destiny 1 je suis en phase complète avec l'univers. Mais je peux comprendre que pour les gens qui aient moins d'attache avec Destiny, ce soit compliqué de dépenser autant d'argent dans un jeu. Après, on peut se dire que forcément, les gens vont le comparer à un Fortnite, à un League of Legends, alors que c'est absolument pas pertinent. Parce qu'on parle d'un jeu qui dispose certes de contenu multijoueur, mais qui a une grosse partie de son contenu qui est d'un contenu solo. Notamment aussi avec les raids et tout ça. Ce qui n'est pas le cas de League of Legends et de Fortnite. En fait, finalement, Fortnite, il y a du nouveau contenu, League of Legends pareil, mais il va être obligé de... comment dire. Le nouveau contenu, c'est pas forcément du contenu qui va être en termes de campagne solo ou d'autre chose. Hein. Je rappelle que le jeu, la campagne solo Fortnite, je sais même pas s'il existe toujours ou s'il y a eu des... comment on appelle ça. Des mises à jour sur... Mais putain, mais t'as combien de... T'as combien de projectiles en tout, toi? Et forcément, voilà. Un contenu solo, ça prend beaucoup plus de temps de travail et forcément ça demande plus de rémunération que rajouter un champion ou faire des patchs toutes les deux semaines. Même les skins hein, en eux-mêmes, basiquement, c'est du contenu qui existe déjà, quoi. Basiquement. Donc je peux comprendre. Personnellement. Bon, par contre, wesh, c'est deux fois la même boîte de dialogue, quoi, mais bon. Hop. Très bien. Donc forcément au niveau du modèle économique, je pense que bon ils se sont foirés au début. Mais le jeu aurait peut-être pas dû être à 60 balles à sa sortie. Mais aïe. Aïe aïe aïe. Mais en dehors de ça, je trouve que le reste se justifie plutôt bien. Oh, mais j'ai des particules. Ah mais j'en ai 10. Ah bah dis donc. Allez. Ça va. C'est pas une réserve de munitions augmentée de zoulettes. Hein. On est vraiment sur de... On est vraiment sur de la bonne vieille régénération de munitions à l'ancienne. Alors là, je fais une opération zéro sur pas mal de... Bon là, pas vraiment, mais vous avez compris quoi. Hop. Ah non, je fais pas une opération zéro quand même. Tac. Là oui pour le coup. Là j'en ai fait une. Tac. Alors tac. Ouais, on va vite hein. Ouais on va vite hein. Vous allez la déposer cette putain de fleur. Allez c'est y part. Allez mesdames et messieurs. Ouais ouais ouais. C'est l'apparition d'un ennemi épique. Hop. Ah mais attendez, mais je suis pas au bon endroit moi. Excusez-moi, excusez-moi. On va prendre de l'altitude. Prendre de la hauteur. Et non, je ferai pas le cri. Oh, un engramme d'Umbra. Je m'en fous si je crève. Ah ah. Bah tiens, yes. Ils m'ont repoussé.
Mais comment est-ce qu'on empêche leur, leur bouclier d'arriver là? Oh fuck. Rien. Voilà. Ah bah tiens, ça y est, ils ont plus de shield. Meurs! Putain, mais on lui-même fait même pas de prendre de dégâts que ça. Tac, 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 tac. Ok. Alors maintenant, il y a quoi du coup? C'est quoi? Aïe! C'est pas très sympa ça. Je me souviens plus du tout. Est-ce que tu sens le CPT? Ça? Avec une épée! Ah, bah oui, bien sûr, avec une épée. Ah merde, il arrive, il arrive. Ah, il s'est réanimé, putain! J'allais le chercher! Ah! Ah, mais ils vont vers moi! Mais attendez, mais on est où là? C'est quoi ce tunnel vision là? On est. Oh, attendez. Ok. Ça a pas marché. Je voulais tester si ça pou si je pouvais le faire. Ah! Oh! J'ai le droit de vivre un peu! Mais bon. Attendez, parce que là. Oh oh. Mais ils sont 1000? Ils sont des millions? Non mais ce TP c'est triché. Ce TP c'est triché, messieurs dames. Aïe aïe aïe. Ah, excusez-moi messieurs, deux secondes. On continue à jouer mais. Ok, bon, excusez-moi, on a eu un petit problème au niveau du micro, mais c'est bon. Alors, on a eu un nouveau niveau, c'est ça, hein. Ok, parfait. Et donc, on a terminé la quête. Donc, un défi qui s'impose au fort, récupérer des traces ombrales en participant à des aventures épiques, la ménagerie, l'épreuve en survie ou en élimination, le jugement d'Osiris. Ok, ok, ok. Les désintégrations et les gains de manche dans l'épreuve permettent de progresser plus vite. Désintégration. Quoi? Ok. Très bien, très bien, très bien. Du coup, on va changer d'arme, messieurs dames déjà. On va partir sur classic shit. Est-ce qu'on repart sur la belle affaire? Mais la belle affaire, est-ce que j'ai? Oui, j'ai ça, j'ai une arme à infuser. J'ai envie de repartir sur la belle affaire. J'ai pas envie de m'emmerder. Après, pour ce qui est des intégrations, j'ai absolument aucune idée de quoi il parle, mais bon. Alors, on va faire des aventures épiques, messieurs, dames. Alors, on sait qu'il y a une aventure épique sur Mars. Donc, c'est parfait. Voilà. Ça, c'est l'avantage. C'est l'avantage de ce bordel. Donc, on était. Oui. Destiny 2, ouais, c'est un cas particulier, hein, parce que je sais pas s'il y a un jeu qui lui ressemble en termes de contenu. Pas trop regardé. Moi, je dirais peut-être que on peut le comparer à un WoW, un World of Warcraft. Je sais toujours une... Attendez, non, je le refais. World of Warcraft. Ça, le problème avec les Français qu'on a, c'est que soit on prononce tout trop... pas assez, soit on les prononce trop les R. Je veux dire World of Warcraft, Warcraft, Warcraft. Ou alors c'est World of Warcraft. Et forcément là, c'est un peu compliqué. C'est parti. En fait, dans en gros le principe du modèle économique, ce qui concerne le modèle économique, on est quand même beaucoup plus sur
quelque chose qui se rapproche d'un MMORPG que d'un FPS classique ou d'un autre jeu typiquement full multijoueur. Et bah j'ai l'impression que dans les il n'y a pas énormément de passes saisonnières dans les c'est dans les c'est les pions, ouais c'est ça, c'est les faut que je tue des pions. C'est lui, c'est lui. Viens là. Viens là. J'en ai rien à foutre de tes potes, je vais te défoncer la gueule. Merci. Au secours, je suis pas là. Non, je suis pas là vraiment. Non, je suis pas là vraiment. Ouais, flemme. Au secours. Et ça, c'est une trace sombre, du coup. C'est une exagération, du coup. Ok. En gros, c'est tuer des gens avec. Mais. Bonjour. Ah. Par contre, si on en gagne tout le temps, on a combien là déjà là? Ah! Ouais, bon. Ouais. Ok. Faut que je retrouve le pion. Il est où? Je crois qu'il est plus loin, genre il est par là. Je sais plus, vous savez. Bah, salut. Ah oui, c'est ça. Ok. Ah bah il est là. Non, il est pas là. Oh mais quelle arme incroyable. Comment j'ai fait pour ne pas l'utiliser plus tôt et plus souvent? C'est un putain de. Une putain de Gatling. Où t'as pas besoin de viser. Bah salut, c'est toi. Ça tient. C'est toi, bien. T'as pas besoin de viser, la cadence de tir augmente. Et le truc incroyable, c'est que lorsque tu ramasses des munitions principales, tu recharges ton arme. Sauf qu'en plus, comme les armes, les munitions principales, c'est ok en termes de. C'est par là. Comme les munitions principales, c'est pas le truc qui est le plus rare de la planète en termes de munitions, bah c'est assez facile. Non, ramasser tout le temps. Bon là, bon. Ah voilà, bah, parfait. T'es où? Où est-ce? Où est-ce? Ah par là, ok, très bien. Ok, bah on va attendre 2 secondes. On va le désintégrer. Non, ça s'est pas désintégré. Bah non. Allez. Je comprends pourquoi ce serait plus une arme de titan que d'arcaniste. Parce que. T'as besoin. Ah bah tiens. T'as besoin d'avoir suffisamment de résistance pour pouvoir commencer à mettre ta cadence de tir. Flagellateur. Il va mettre en colère des intelligences artificielles maintenant. Quelle puissance. Aïe, 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 aïe. Laisse-moi tranquille. Je suis dans un endroit protégé ici. Aïe. Je sais pas si c'est une arme qui. Bon, d'accord. Je sais pas si c'est une arme qui me ralentit quand je bouge, mais j'ai pas l'impression. Mais par pur placebo, je vais prendre le fusil automatique quand je cours. Et que j'ai rien d'autre à faire. Alors, c'est parti. Salut! Hop. Exactement, parfait. Je pense honnêtement que l'un des plus gros problèmes de Destiny, premier du nom, c'est qu'il soit pas sorti sur PC. Je trouve que ces exclus, le fait d'être une exclue console, c'était cool pour Sony. C'est ça que, enfin, un peu Sony et même je crois que sur Xbox aussi, il était. Je sais pas si c'est une exclu PS4, je pense pas. C'est cool pour les consoles, mais en vrai, la différence entre Destiny 2 et Destiny en termes de framerate, du coup, enfin, je parle de Destiny 2, bien sûr, sur PC, c'est vraiment le jour et la nuit, hein, vraiment. Le jeu était tellement. Est tellement plus. Wow. Est tellement plus agréable depuis que je l'ai sur PC. Honnêtement, je. Oh putain. Maintenant, je ne pense pas une seule seconde à repasser sur console, quoi.
Bah tiens. Eh bah dis donc! Et tant qui ce con? Oh là là. On fait la même chose avec notre arme! Eh ouais. Ah bah ils sont barrés du coup. Bravo. Moi qui voulais récupérer des... Et quoi? Les traces ombrales. Exactement. Parfait. En vrai, je crois que l'aventure est bientôt finie, hein, mine de rien. Oh, j'adore cette arme, putain. Décidément, j'adore cette arme. Aïe, ça me touche ça. Ok. Fusil automatique, grosse cadence, grosse stabilité. Faire des fringues, ça recharge son arme. C'est une arme. Comment dire? Avec des munitions abyssales, donc. Ça pète les shields plus facilement, c'est du tout bon, masterclass. Honnêtement. J'adore ces armes avec plein de cadence, mais bon. Généralement, la vitesse de rechargement est pas ouf. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir. Alors, du coup, il faut l'empêcher le pion d'être là, c'est ça? Il faut empêcher de prendre cette chose. Oh putain! J'avais pas de radar, monsieur l'arbitre! Eh oui, j'ai pas de radar. Ok, très bien. Je crois que c'est pour ça que c'est une aventure épique. Enfin, par exemple, toi, je vais empêcher l'équipe ennemie de récupérer le droit de la faille, par exemple. Ah, c'est que maintenant que je me rends compte que j'ai pas de radar. Bah, dis donc. T'as mis longtemps, toi. Ça, mais avec tout ça, mais il est où? De voir un pion débarquer nulle part. Oh bah tiens, avant de ça. Ok, ça va, on s'en sort. Alors avec eux, on va s'en sortir un peu moins. Ah, mais vous pétez les couilles là. Allez, vite. Oh, sale pute! Casse-toi! Merci. Excusez-moi pour cette insulte. Ça marchait quand même. Non mais ils sont combien, wesh? Ah mais il est pas mort lui, c'est pour ça que j'ai pas eu les munitions. Ok. Wow! On va se calmer. Hop. Parfait. Parfait, mais c'est. Mais dis donc. C'était parfait. Ah. Intéressant. On en saura pas plus. 999 munitions. Pas moyen de. Wesh, vas-y. Bah, de chance. Ok, on a fait une mission rapide type aventure épique. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'en faire une autre avant de s'arrêter là? Ah, mais ça, je peux l'augmenter du coup. Ouais, parfait. Wow! On va aider les gens. On va aider les gens dans le besoin. Je trouve ça bien qu'il nous que chaque semaine il nous fasse découvrir des nouvelles horizons, nouveaux horizons, excusez-moi, nouvelles, des nouveaux horizons par le biais de ces missions qui bah du coup se ressemblent pas forcément tout le temps. Par exemple là du coup les aventures épiques remplacent les événements du genre protocole d'intensification ou autre chose. Et je trouve ça plus intéressant. Mais, il faut que j'aille me mettre dessus. Je me demande si c'est pas plus méta de garder la gâchette. Ouais, je m'y attendais bien. Hop. Hop.
Ok. Bah, allô? Parfait. Hop. Merde. J'ai appuyé trois fois sur la bouton à l'espace. Putain, mais il y a... Ok. Non, mais c'est pas fini. Ah. Ah. Bah, ils sont morts. Ah, mais c'est la rue, je sais pas encore les boss. Putain. Cassez-vous, monsieur. Allez. Allez. Wow! Eh bah, dis donc. Alors, oui, du coup, il faut viser la prêtresse. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Elle est partie où? Ah, mais ta gueule, toi, bordel! Incroyable cette. Tu veux pas me lâcher, toi? Même pas de munitions principales, bordel. Eh bah, dis donc. Allez! 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 Vas-y, on utilise ça. Ah! Allez, plus qu'un. Et c'est terminé. Parfait. Ben voilà, avec tout ça, c'est bon. On a une pile le meilleur temps pour la VOD. C'est parfait. On pourra donc derrière visiter tout cela de manière adéquate dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, pour pas avoir tout ce bordel de farm de traces ombrales, je vais certainement farmer tout cela et après on fera le reste. Après, on fera la suite de la quête, histoire de vous montrer un petit peu les trucs. Allez, salut, à la prochaine.